Alors les 87, on a trouvé une autre information donnée par des journalistes que c'est 115, c'est pas 87. Ça avait commencé à 56, ça part à 87, maintenant c'est 115 arbres abattus. 130 forains disparus, 450 sont stationnements perdus. Alors, par contre, il rajoute 21 caméras, 85 arbustes, justement ce qui a toutes ces petites couleurs. Mais allez à la plaine en ce moment, vous avez des arbres avec des couleurs magnifiques, des autres, des senteurs magnifiques. Allez voir comment les enfants jouent. Les personnes qui actuellement profitent de la plaine n'arrivent même pas à imaginer ce qui va se passer. Ils ne peuvent pas imaginer. Ils voient tellement de temps, tellement de gens se battre, ils se disent c'est pas possible, on va pas nous faire ça. Ils ne peuvent pas imaginer que si on... Vous savez que même s'accrocher à un arbre, ça ne sert à rien. Vous avez vu la place Canderelle, les gens sont accrochés aux arbres, la Canderelle, je sais quoi, et on vient, on les enfume, on en enlève, on les déchaîne, et à 5h du matin. Combien ça coûte un dessous de table sur une planète comme ça? Combien c'est? Ça dépend le terrain. Ça dépend l'élu? Où? Dans le 7e, je sais pas. Ah, dans le 7e, je pense que ça vaut. On touche pas la planète. Oh, sinon, il y a une réponse, on n'a que le mépris de ces gens-là. On n'a que le mépris. Il n'y a pas de réponse, c'est que du mépris. Alors que ce soit nos marchés, que ce soit les boulots de grève, que ce soit nos écoles, c'est pareil. Ils attaquent tous les endroits qui nous appartiennent, ils nous dépossèdent avec ça.